assure, ça vaut vraiment le coup. Il va être là dans quelques instants. À Montpellier, ça a été tout simplement une dinguerie. Je vous assure que ce soir, il y a des grosses surprises pour vous. Si vous avez de quoi filmer, n'hésitez surtout pas. Juste avant de commencer et lancer le départ du Manquet Show édition de Fréjus, je tenais déjà avant tout, au nom de tout le staff, remercier toute la communauté l'année dernière, suite aux petits événements qu'il y avait eu, justement, on a eu des petits incidents, des petits soucis d'infiltration, la communauté qui s'est vraiment mobilisée et qui a été très solidaire, ça nous a vraiment touchés, et ça on peut le retrouver qu'avec une communauté comme vous. Et pour cela, messieurs, dames, applaudissez-vous s'il vous plaît. Deuxième remerciement que j'ai à faire, c'est aussi auprès de la municipalité qui nous ont soutenus depuis le début de l'événement et sans quoi ça n'aurait jamais été possible. Pour cela aussi, s'il vous plaît, on leur fait juste un petit applaudissement pour la municipalité qui nous soutient pour l'événement, messieurs dames. Merci beaucoup. Alors, on va passer un week-end de folie. La plupart d'entre vous qui sont là sont des VIP. Je n'ai pas besoin de m'étaler sur le programme ou quoi que ce soit. Là, j'ai que des connaisseurs ce soir. J'ai des otaku confirmés. Avant de commencer ça, c'est la grande soirée. Je vais demander à mon co-présentateur de venir me rejoindre dans quelques secondes. Mais avant ça, je veux qu'on lui fasse un hommage et une entrée digne de tout ce qu'il va vous donner ce soir. Il est plein d'amour pour vous. Celui qui nous a fait croire que nos poings pouvaient déchirer le ciel, qu'on pouvait embraser notre cosmo-énergie. Il était à la tête de tous les génériques de dessins animés. Pour nous, c'est vraiment une star incroyable. On a la chance de l'avoir ce soir, ici, à Fréjus. Je demande tout le monde un maximum d'innovation pour monsieur Bernard Minet. MGS Event, bravo, c'est grâce à eux et pour un travail formidable. Ils se bougent beaucoup pour réussir cette deuxième édition. L'an dernier, on avait fait un samedi fabuleux. On n'a pas eu de chance avec le dimanche, mais cette année, on va faire trois jours fabuleux et merveilleux. Alors les amis, vous connaissez déjà les invités, mais on va Elvis en parler. Bien sûr, il y a le Michael Kudlitz, le grand Michael. Il joue dans quoi? Walking Dead. Voilà. Et il fera demain une heure de conférence, demain à 16h. Donc, grande conférence, ça va être important. Vous allez rencontrer aussi, bien sûr, le grand Marcus dans le monde de Marcus. Voilà, Marcus. Ceux qui ne se sont pas documentés, mais je vous assure, quand on va vous donner les voix des personnages qu'ils
incarnent. Ah oui. C'est tout simplement incroyable. C'est énorme. En passant des séries comme Desperate Housewives, comme des Avengers que vous voyez au cinéma, il y a pratiquement tous les comédiens voix. Et je dis bien, on dit des comédiens voix. Ce sont des comédiens également qui jouent des rôles. Voilà. Ce ne sont pas que des doubleurs. Comme dans Les Soleils Musclés, c'est pareil. C'est des comédiens qui jouent des rôles. Demain, avec les youtubeurs aussi, vous avez une chance également au Mind Game Show. C'est que nous, on aime bien justement que notre public soit près des stars. Et vous aurez l'occasion, vous le public, de poser vos propres questions, aussi pertinentes soient-elles. Donc n'hésitez surtout pas à venir à toutes les conférences et poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et pareil, je pourrais faire pareil avec les grands dessinateurs de talent qui seront ici parmi nous. Jérôme Alquier. Et deux maîtres japonais. Alors, aide-moi, Elvis, aide-moi. Oshimatsu Takahiro. Très bien. Bien prononcé. Yamamoto Kawasaki. Non, c'est pas ça. Yokata Mamoru. Très bien. Et alors qu'il y animera demain un masterclass à 5 euros le masterclass. C'est bien. Et on peut s'inscrire demain matin au stand MGS, le stand de l'organisation. Pour les férus de dessin, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à des masterclass comme ça. Ça permet de perfectionner sa technique justement et d'avoir des avis sur le niveau que vous avez actuellement. Donc pour progresser, c'est vraiment une occasion exceptionnelle. C'est des dessinateurs qui viennent de très loin, qui ont travaillé dans des studios comme Marvel, d'autres dessinateurs qui travaillent au Japon de façon tout simplement. Ceux qui aiment le dessin, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous assure, ce n'est pas du temps perdu du tout. Voilà, il y a aussi le chef Otaku qui sera là. Otaku, on dit, non? Otaku. Otaku, voilà. Et bien voilà, c'est un beau programme et ça va être magnifique. On va avoir le beau temps avec nous, la chaleur, hein. Et on va se régaler. Mais dis-moi Bernard, là je pense que tout le monde est venu ce soir pour faire la fête tout simplement. Et quelque chose me dit que je n'ai pas venu les mains vides en tant que parrain du Mind Game Show. Voilà. Je t'ai vu arriver avec quelques petites surprises. Merci de le dire. Et je suis ravi, très fier. Alors, oui, je voulais vous offrir quelque chose de différent. Je voulais vous offrir les chansons que je ne chanterai pas dimanche d'abord et les chansons que je n'ai jamais chantées sur scène. Je vous jure que c'est vrai. Alors, et des chansons un peu rigolotes. J'ai voulu faire ça. Ça changera et moi ça m'a bien fait rigoler. Alors, la première, le titre c'est Biscuit. Ça vous parle Biscuit? Non? Ah, ils connaissent pas bien un peu le début de la première, pas beaucoup. Mais le début de la première. Voilà, ça vous dit rien ça? Non? Ah bon, bah vous voyez. C'est... Ça va leur plaire, je crois. Oui, oui. Non, non, c'est... Voilà. S'ils le voient un peu comme ça, j'allais pas faire ça avec des petits cabots rigolos. Non, il fallait faire une voix un peu comme ça. Et donc, je l'ai faite comme ça. Alors, je vous laisse peut-être l'interpréter, je ne vous connaissais pas. Biscuit, mets le son, bien fort. Juste avant de vous laisser avec M. Bernard Minet, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas à l'opéra. Vous n'hésitez pas, vous faites du bruit, vous tapez des mains, vous criez surtout, mettez de l'ambiance pour Bernard Minet. S'il vous plaît, applaudissements, l'encourage. Merci, Luc, c'est un bon. Oh, Luc, oui. Allez, Biscuit. Biscuit. Ça, je ne faisais pas les voix. Elle est bien aussi, elle vous plaît, vous la connaissez. C'est Paul le Pêcheur.
fort comme ça, ne change plus, ne change pas le potard, s'il te plaît. Allez, donc, on va faire. Attaquons, attaquons, vous êtes dans les primaries. Apportez le
chanson. Eh bien attention, on dépasse pas l'intro. Un gros cadeau à gagner. On a ce beau t-shirt. On a ce beau t-shirt. Et on a ce beau t-shirt. Tout ça pour Halloween. Vous ne faites pas 30 euros aujourd'hui. Spécialement à la foire de Fréjus. Pas 20 euros, pas 10, pas 5, gratuitement. Gratuitement à celle ou celui ou celle qui va me dire le titre de l'un de ceux du prochain morceau. Alors attention, le micro est tendu. Attention, vas-y, Nicolas, musique. Personne n'a gagné. J'ajoute ça. Mais là, on peut pas aller voir sur YouTube. Hein. Tu cherches les... Comment? Pardon? Viens ici, viens Magma, viens. T'as pas sur le mot de Magma, c'est pour ça. Je sais tes matchs. Je sais tes matchs, t'as gagné, c'est parti. Et c'était pour la 6, pour M6. Ah, j'étais content.
non? Et je crois que comme c'est pour la 6, ils se sont un peu... Voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Viens, t'as gagné. Ils se sont un peu... appliqués, quoi. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est très bien, voilà. Bravo. Et cette chanson, je la trouve bien, je la trouve très très bien. Cette chanson, c'est la première fois que je me trouve sur scène. Je pense que je la referai dimanche, parce qu'elle est vraiment bien. C'est Conan l'aventurier. Oh,
bonne soirée, bon salon. Merci à vous. Dire que ça, ce n'était que l'échauffement, je vous assure. Attendez pour voir demain. Là maintenant, on va continuer tout de suite les festivités, on va pas attendre que ça redescende. On va continuer avec Mister Oshi. Il n'a que 23 ans, il a su allier la danse, le chant. Il a pris du K-pop comme choix musical. C'est de la pop coréenne pour ceux qui ne connaissent pas.